Oh.
Papa n'est pas là. Oui, pour maman Georgie. Et un membre de la famille de papa Serge. Amen. Il était absolu au Congo. Moi, je viens de la Belgique. Donc, je confirme que nous avons reçu ce que Serge doit à la famille en tant que mariage coutumier. Amen. Maintenant, quand vous avez reçu la dot, je voudrais que tu prennes la main de ta fille et tu donnes à papa Serge pour confirmer vraiment que vous prenez la main de maman Georgie. Et vous donnez à papa Serge. Vous pouvez tourner dans le sein. D'abord, je la félicite. Je crois que j'aurai l'occasion de le dire. Vous avez raison. Mais, papa, nous allons incliner nos têtes dans la prière. Nous allons prier, remettre cet instant entre les mains du Seigneur. Que le Dieu qui est l'auteur de toutes choses, qui prennent place, contrôle de toute la cérémonie. Et je laisse tout entre tes mains, dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons tous Amen. 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 Alléluia. Non, je ne vous entends pas. Alléluia. Frères et sœurs, si nous sommes réunis ce soir, c'est au nom de l'amour, c'est l'amour qui nous a réunis ce soir. Amen. C'est parce que deux personnes se sont unies, deux personnes ils se sont mis d'accord, deux personnes se sont dit oui devant la famille, nous avons vu la famille, et devant l'église, et c'est d'ailleurs un couple qui sont déjà ensemble, c'est ce que j'ai pu comprendre, et c'est au nom de l'amour, de leur union que nous sommes réunis ce soir. Le vrai amour, frères et sœurs, ce n'est pas quand tout va bien. Le vrai amour, ce n'est pas quand chérie, quand c'est chérie, tout va bien, rien ne se passe. Mais on reconnaît le vrai amour quand il y a des problèmes. Quand il y a des ça ne va pas, quand il y a des hauts, des bas, quand lorsque tu te poses la question, est-ce que c'est vraiment ces jours, ce n'est pas lui? Est-ce que c'est l'homme vraiment que j'ai vu ces jours-là? Est-ce que c'est vraiment changé ou c'est pas elle? C'est là où on peut parler de la vraie, du vrai amour, pardon. C'est là où on peut se dire non, ces couples s'aiment réellement. C'est quand il y a des problèmes. Quelqu'un me disait, pasteur, moi depuis que nous sommes mariés, on ne s'est jamais fait des échanges de paroles. Moi, pasteur, ça fait 14 ans. Chez nous, tout va bien. Chez nous, il y a pas de dispute. Chez nous, on est tellement spirituel, frères et sœurs. Même quand on est spirituel, vous allez connaître toujours des problèmes dans le couple. Même quand on est trop spirituel, les problèmes dans le couple ne manqueront jamais. Les divergences de feu dans le couple ne manqueront jamais. Mais le vrai problème, c'est quoi? Le problème, c'est quand vous avez des problèmes, comment vous en sortir de ces problèmes? C'est ça le vrai souci. Lorsque nous avons des problèmes, quel est le comportement que j'ai vis-à-vis de ma femme? Quel est le comportement que j'ai vis-à-vis de l'homme que Dieu m'a donné? Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de parler ces jours ici à l'église, je suis en train de parler de l'âme, de combat de l'âme. Beaucoup de couples sont détruits tout simplement à cause de mauvaises paroles, de mauvaises paroles. Les couples, quand ils sont en difficulté, des fois ils se prononcent des paroles blessantes, des paroles choquantes, ça choque tellement et ça blesse l'âme d'une personne. Ça blesse tellement l'âme de mon partenaire.
Et bien que nous allons continuer à vivre, mais mon cœur est déjà blessé. Et quand l'âme est blessée, frères et sœurs, toute la vie de couple aussi est blessée, le couple est détruit. Combien de couples aujourd'hui, rien ne marche. Ils sont ensemble, vous le verrez à l'église, venez chérie, chérie. Mais c'est chérie, chérie, c'est seulement devant les gens, devant l'église. Devant la famille, on fait semblant, tout va bien. Mais en réalité, dans la maison, tout est déjà détruit. Tout est déjà fini. Pourquoi? Parce que le mari m'a lancé une parole. La femme m'a dit quelque chose qui m'a tellement choqué. Au moment des épreuves, au moment difficile, la femme se lève. Et s'il faut citer des hommes, est-ce qu'on peut vraiment les citer? Des choses ont semblé difficiles. Je n'ai pas reçu. Seigneur a résisté face aux interpellés, face aux problèmes, je n'ai pas pu. Mais Seigneur, viens à mon secours. Avant que j'appelle le pasteur, je voulais demander à l'église de se mettre debout. Nous allons prier le Seigneur. Et si les chambres peuvent venir, nous allons ensemble prier le Seigneur. Nous allons prier pour le couple, nous allons prier pour les familles. Qu'au nom de l'amour, que les familles soient restaurées. Qu'au nom de l'amour, que le Seigneur restaure des choses dans le couple. Mettons-nous tous, sauf le marié bien sûr, nous tous on se met debout. Pendant que la chorale avance, nous voulons prier. Remettre nos couples entre les mains du Seigneur. Remettre les couples de l'église entre les mains du Seigneur. Seigneur, tout ce que l'ennemi, toutes les paroles mauvaises, blessantes, Seigneur, que nous avons reçues de part et d'autre, Seigneur, nous prions ce soir, toi qui parles de nos plaies, Seigneur, toi qui guéris les blessures intérieures, nous te prions au nom de Jésus de guérir les plaies, de bander les plaies, de restaurer les couples, de restaurer les familles, de restaurer les familles de cette église, de restaurer les couples de cette église au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, fais-le pour la gloire de ton nom. Seigneur de gloire, que je viens prier le pasteur Mathias. Pendant qu'il avance, nous continuons à acclamer le Seigneur. On continue à acclamer. Quand je ne vous attends pas, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire? Donc est-ce qu'on peut pousser les plus de joie en moi? Amen. Merci, merci prophète Christian. Merci. Acclamons pour les prophètes Christian. Nous allons maintenant passer à la cérémonie de rendez-vous. Papa Serge, Maman Josie, mettez-vous. Comme on dit en anglais, face to face, passe à passe. Amen.
Que la main de Dieu Tout-Puissant les assiste au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia. Père éternel de gloire, je bénis les couples dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Laisse que ton sang que tu as versé à la croix soit leur bouclier protecteur, Amen. Seigneur. Amen. Que le Saint-Esprit les accompagne durant tous les séjours, Seigneur. Merci, Yahweh. Bénis le Seigneur, financièrement, matériellement, spirituellement, matériellement, dans tout ce qu'ils attendent au Seigneur. Amen. Comme tu as dit à Josué, nul ne tiendra d'avec tant que tu vivras, Seigneur, papa. Et qu'envoie à ce couple, Seigneur, la pluie de la première et de la dernière saison, Seigneur, papa. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On acclame très fort le Seigneur. La musique, s'il vous plaît. Papa, Yahweh, 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 Papa, Yahwe
Maintenant, nous vous donnons ce certificat de mariage, attestant que dans ce centre, vous avez fait votre bénédiction nuptiale devant Dieu et devant les hommes. Amen. Soyez bénis, Papa Serge et Maman Georgie. Maintenant, comme l'Assemblée avait demandé, Mundu na Mundu, et un bisou, il y a l'ambulance. Papa Serge, comment ça va? Je suis Désiré Timbakala, je le suis le frère aîné de Serge Basile Timbakala qui se marie avec Georgine ce soir. Alors Serge, c'est mon petit frère, je me rappelle que c'est moi qui l'ai aidé pour aller à Cuba faire ses études parce qu'il est technicien en santé végétale. Et Georgine, ils se sont rencontrés à Paris dès que Serge s'est installé. Georgine était donc une étudiante venue faire son doctorat à Paris, Sorbonne, et au début c'était comme un jeu d'enfant quoi, c'est deux personnes qui s'aimaient déjà très très fort, et il y a 2 ans nous avons pu faire le mariage coutumier, et aujourd'hui c'est ce qu'on appelle donc la consécration de leur mariage, de leur amour, dont l'union a déjà 2 enfants. Moi je m'appelle prof Stanislas Mararo, je viens de la Belgique. Je représente le père de Georgine. C'est moi qui l'ai pris par la main du début de l'église jusqu'à devant. J'ai confirmé sur demande du pasteur que
nous avons reçu la dot. Et mon mot, c'est celui du père de Georgette, prof Gervais Tirouménier-Roi, qui est à Kinshasa. Et je m'appelle Michel Nzayo, je suis de la famille, je peux dire de Gervais Tirouménier-Roi, qui est le papa de Georgine. C'est un de nos membres de famille que j'ai connu quand j'étais encore très jeune, quand il s'est marié. Et aujourd'hui, je suis content de participer au mariage de sa fille, Georgine, qui s'est mariée avec... Serge. Et on les a connus depuis 3-4 ans. On est content de ces comment de leur évolution. Et puis Dieu leur a donné déjà des enfants. On est content que ces enfants aussi aient vu leurs parents se marier. Je m'appelle Binet Noir Innocent. Je suis le cousin à Georgine. Et pour moi aujourd'hui, c'est un grand jour puisque j'ai vu leurs fiançailles. Nous les avons reçus pour le mariage coutumier. Et maintenant, aujourd'hui, ils se sont mariés devant Dieu et les hommes, ce qui est un grand plaisir et une grande joie. Je les souhaite la réussite dans leur foyer, l'entente, la coopération, le respect mutuel. On a Serge, na Georgine, vraiment ton dimanche va comme na moment oyo. Vraiment Nzamba sali grâce à Zoalokumu. Vraiment la ndenge Serge a pesi Georgine honneur oyo ko batu mingi bazoluka ngo bazwa kango te. Vraiment ba umeli lelo Nzamba touché mitema na bango a koti se pété na musapi. Vraiment pona ngai na sepeli. Nzambe ya batte la libala oyo ba umela. C'est qu'on a ce qu'on a à Liwande et Kabula Bango. Thank you.
Thank you.